C'est à 90. C'est vrai en plus. Bernard Vautier, voiture ouvreuse pour le Franche-Comté à l'avant. Merci de t'arrêter d'aller couvrir le peloton. Merci. Rouen, vous reprenez votre place, s'il vous plaît, merci. Tout du 50 km, 2 minutes 45 secondes pour le peloton. Un bidon. 2 minutes 45. Combien ? 2 minutes 45. 2 minutes 45 ? Ouais. Alors faites attention au vent de face, de pas vous défoncer. Là, ouais, mais là ouais. Vous allez reprendre vent de face. Ouais, ouais, pas se limer. De pas se limer la gueule pour être fort dans le final. Ça sert à rien de prendre 10 minutes d'avance. Ouais. S'ils veulent tenir le groupe, ouais, bon. Ils vont le tenir. Donc ça sert à rien de les exciter, tu vois. Ouais, tiens. T'es d'accord avec moi? Ouais, ouais, c'est bon. T'en as qu'un? Deuxième. Et puis il faut gérer. Et ça va rouler vite quand il faut rouler vite. Ouais. Okay. Hein? Donc, bon groupe, hein? Ouais, je sais, mais moi aussi. Moi, c'est l'objectif, c'est de battre, toi. Hein? Non, mais franchement, faut pas qu'il fasse de conneries, vent de face. Ça sert à rien de prendre 5 minutes parce que derrière ils vont mettre plus en route. Vaut mieux que de faire croire qu'on n'avance pas et puis pouvoir accélérer dans le final. Ouais, puis je mets tout à filet, pas possible. Ouais, non, mais c'est pour ça qu'il faut. Je vais le dire aussi à. Reste au cul, j'arrive. C'est pour parler. Je suis ici pour parler, il veut bien que je vienne là. Donc j'ai dit à devant d'aller tranquille par rapport au vent, de ne pas se donner un fond. Mais là, si on prenait 10 minutes d'avance, ils auraient roulé plus vite. Et ils sont que deux à rouler. Ouais, donc ils sont tranquilles. Choqué à Viennet, ça roule pas. D'accord. Et. Par contre, le deuxième au général, il a un mec devant aussi. Hein. Le Belge. Ouais. Tiens, tu vois, je l'aurais dit. Je l'ai vu, Chiclet. Et ils grimpent bien. Ils ont. Les maillots noirs et rouges. Dealer. Didier. Didier Sylvain. Il est devant. Ah. Le numéro 2, ils ont un mec devant. Le 152, Didier. Ouais. C'est un espoir, il marche bien. Ok. Donc ils vont pas aller rouler tout de suite. Les premiers à aller rouler, ça va être l'armée et puis peut-être nos gens. C'est eux que je vois. Bon, attention, hein, ceux-là, on suit. Hein. Ah bah ouais, c'est très bien ce que vous faites. Il grimpe bien notre mec devant. Oui, oui. Puis par rapport au groupe qui est là, ils sont tous derrière lui. Sauf 3, ils sont 4 dans le même temps et 4 à 2 minutes de lui. Okay. Donc tout d'un coup, il y avait coup de Trafalgar, bah, on a un mec. Très bien. En plus, je suis plein quand même, non? Là, depuis tout à l'heure, c'est mieux. T'as le petit plateau là? Ouais. Très bien. 6 minutes. C'est combien, 6? Ah la vache. 5,50. Ils sont sereins. Pour l'instant, il y en a deux qui roulent de chez eux. Ouais. Personne ne roule d'autre.
pense. Attends, le deuxième au général, il a un mec devant. De quoi? Le deuxième au général, il a un mec devant. Ouais. Donc ils vont pas rouler. Je pense que l'armée peut rouler et voilà quoi. Je t'entends pas très bien. L'armée et nos gens, peut-être qu'ils vont mettre en route tout à l'heure. Ouais. Donc faites attention parce que là, on a encore 10 bornes. 15 km devant de face. Combien encore? 10-15 km. Et après, on arrive dans les bosses. Ok. Avec la bosse d'avant, celle-là, ça va commencer à accélérer derrière. Okay. Donc il va falloir commencer à mettre un peu de rythme. Okay. Donc ça serait bien que c'est total. Ou alors, tu as deux solutions. Soit tout le monde, soit bah, il va falloir déclencher que les meilleurs partent. Okay. On va faire rouler tout le monde. Hein. Parce que maintenant, t'as quatre, les quatre grimpeurs se suivent. Tu sais, monter, on descend. On est là, là. Là, on va tourner, on va faire ça, ça, on remonte et on remonte encore. C'est que de la bosse. Dans le grimpeur du 118. Dans le grimpeur du 118. Après le village qui va faire droite, gauche, gauche. Et tu retournes derrière et vous en remettez une, hein, parce que là il n'y en a plus personne qui va passer maintenant. Ah, j'ai quelqu'un qui brûle. Eh, mais c'est pas grave. Tout le monde. C'est des mecs qui sont à 2 mètres, c'est que ça brûle. Hein. C'est là que tu fais la différence. Là, eh, qu'est-ce qu'on a dit ce matin? C'est normal. Eh, qui c'est, t'es dans une bosse. Hein? C'est dans une bosse, si ça brûlait pas. Hein. Allez, grand. De derrière. Dépêche-toi. Dépêche-toi, faut qu'on s'arrête. Hein? Dépêche-toi, on va s'arrêter. Il y a une 30. Si t'attaques pas, ça va revenir. Hein. Ah, mais... Et c'est, tu sais, c'est ça. Là, on a un autre. Tant que tu vas pas réussir à débloquer la situation, là le groupe il va se rejoindre, c'est ouais. Fini quoi. Prochain col, je pose des mines dans tous les sens. Ben non, mais là, mais non. Il y a une 30, il y a le camp RC, ils sont tous sortis derrière là. Ça revient, il n'y a pas tout qui revient comme une balle avec camp RC. Alors l'autre il va pas rouler dès qu'il va le savoir. Là il ne le sait pas encore. Donc il va le savoir, ça peut le faire. D'accord ? Allez. Est-ce que ça va être le final avec 35 avec la victoire pour le 25 euros? Et bien les Belges, la victoire, s'ils s'imposent à l'Argentine. Et donc, ils ont donné superbe ovation pour l'arrivée du sprint et du tombé état du jour. Le sprint qui est, et bien voilà, c'était le sprint remporté, semble-t-il, au conditionnel. Il me semble que Simon Zahler, deuxième au général, le 6, deuxième de l'étape hier. Attaque.